Bonjour et bienvenue de retour pour la survie du week-end. Nous sommes toujours à Blackrock. Il s'est passé quelques jours, nuits. Ouais, il s'est passé quelques trucs. On a du feu. J'étais en train de me dire, est-ce qu'on fait chauffer un café ou pas? Parce que je voudrais en fait aller du côté gauche de la zone. J'ai redessiné aussi proche de l'endroit où on était, donc du coup on a vers le tunnel à vapeur, ça s'est dessiné, donc ça c'est plutôt cool. J'ai pas refait le chemin pour aller récupérer ce qu'on avait laissé en bas parce que c'était trop long et j'avais pas envie vraiment. Donc ouais, on va faire tout le côté gauche de la région. Et oui, je suis en train de me demander si on n'utiliserait pas des tisanes pour avoir le buff. On peut en faire enlève-toi. On peut, puis après on partira, puis on verra si on les utilise. Parce qu'on doit passer en fait le dessous là, le sous-sol. Donc du coup ça sert un peu à rien de se réchauffer maintenant, vous voyez. Puis ça va vite refroidir, donc bref. Sinon en tout cas on est lourd. Honnêtement on est lourd parce que j'ai pris donc ça sur moi. Je pense que le gilet pare-balles va être utile. On va prendre un steak en entier. Je pense que le gilet pare-balles va être quand même utile. Parce que le côté gauche on l'a jamais fait, donc il va avoir quand même beaucoup de loups gris, donc je pense que c'est quand même indispensable si on veut bien faire les choses. J'ai un peu réduit mon poids par quelques petites choses que j'ai enlevées, mais pas énormes. Donc on verra. Ah tiens, je pourrais utiliser des torches. Il y avait une chose aussi que je voulais faire. Non, ce serait débile de faire ça. J'en sais rien en fait. Non, en fait, ce que je voudrais faire, c'est prendre une lampe, genre la grise par exemple, pas la rouge qu'on a. Et laisser la rouge ici au camp, prendre la grise, parce qu'on a une autre grise en fait. Après la laisser à la porte en fait, à l'endroit de la porte. Comme ça, ça nous fait du poids en moins. Vous voyez ce que je veux dire? C'est peut-être pas une si mauvaise idée, en fait. C'est pas grave. C'est des détails. De toute façon, si jamais on est en surpoids et tout ça, on fera des tas, puis après on reviendra et tout ça. Honnêtement, le côté... c'est par où? Je sais plus exactement par quel chemin il faut prendre. Le côté gauche de la région est pas très très difficile pour se déplacer, donc ça devrait aller. Il est pas extrêmement difficile, donc ça va aller, même si on est en surpoids, qu'on laisse des choses, on pourra faire un aller-retour. Mais bon, c'est vrai que de prendre le gilet pare-balles, en fait, ça... C'est un peu la misère avec le poids après. Hein. Mais ouais, ça c'était une solution que j'avais. Genre prendre une lampe et après la laisser de l'autre côté. Mais j'aime pas trop éparpiller mon matos, donc du coup on va pas le faire. Mais sinon on est équipé. J'ai aussi réparé mes vêtements. On a un arc. Attends, est-ce que je... Oui, c'est bon. J'ai cru que je l'avais pas échangé. Oui, donc on a un nouvel arc à 100%. Donc c'est plutôt cool. On a 20 flèches aussi. Elles sont tout, genre, alors il y en avait qui étaient genre à 30% et tout ça. Je les ai quand même cassées. Et je les ai refaites. Donc ouais. Oh waouh. Il y a une animation quand vous jetez les choses dans l'eau. C'est marrant ça. Ça, c'est marrant, ça. J'avais jamais vu. Enfin, j'avais jamais testé aussi.
Alors, fais voir. C'est toujours chaud. Ouais, on peut le prendre. J'espère qu'on va pas avoir de loup directement à la sortie comme la dernière fois. Enfin, si on l'a, bah, on fera demi-tour. Hein, et on les fera petit à petit, mais c'est vrai que c'est un peu relou. Je vais laisser ouvert exprès. Si jamais il y a des loups, je voudrais bien les combattre, genre maintenant, au lieu de m'avancer. J'ai entendu du bruit. Je vois strictement rien. Y a rien qui bouge. Le problème, c'est que si on avance, bah, j'aurais plus vraiment d'endroit où me mettre à l'abri. Derrière les portes, honnêtement, c'est vraiment une bonne solution. Pas de batterie. Je crois qu'on a un chemin sur la droite, c'est une grotte ou un truc comme ça, je me rappelle. Des loups là-bas. Ouais. Écrit quoi? Climbing area, ok. C'est une zone de... Ah, il y a une maison là-bas, détruite. C'est une zone d'escalade. Ils ont peut-être migré, les loups. Je sais pas. Y a strictement rien. La dernière fois, on était genre juste sortis. On était directement tombé sur au moins 4 ou 5 loups. Là, il n'y a rien du tout. C'est sympa, cet endroit. Ça me dit rien du tout. Je dirais, c'est quoi? C'est une maison qui s'est effondrée? Ah oui, il y a une corde. Alors... Ah, bien. Ah oui! Oh, j'ai... J'ai pas pris câble et fusible qu'on avait. Est-ce qu'on en a un de chaque? Bon, c'est pas très grave. This stuff will come in handy. C'est pas extrêmement grave. De toute façon, on sait toujours pas où elle est, la tour. Il y a une nouvelle scie déjà. Okay. On est déjà à 46 kilos. J'ai vu qu'il y avait une plante là, une racine. Je sais pas si... Enfin, on la prend, mais c'est vrai que c'est pas vraiment très très utile. Bon ben, on va continuer notre chemin. Il
On va continuer. Alors, on va aller... Je crois que le mieux, c'est de plus ou moins suivre la route. La route pour voiture, hein. Simple. C'est là où on va voir le... On peut apercevoir, en fait, le plus d'endroits possible. Donc, ouais, on va faire ça. J'ai juste un peu peur des loups, mais bon, pour le moment, on est bon. On va couper là, comme ça, pour retomber sur la route. Un, deux, trois, quatre. Ils sont là. On peut peut-être attendre qu'ils passent. Je sais pas s'il y a quelque chose là-bas. Jesus, it's cold. Genre un bâtiment ou quelque chose. C'est sûrement le groupe qui nous a attaqué la dernière fois. Genre, je dirais que couper là-bas, ça mène devant le barrage, en fait. Oh la vache. Bien joué. On va se mettre juste là. Tout va bien. Ah putain, je suis bloqué sur le loup, quoi. Ok. Je crois que j'ai récupéré toutes les flèches. Il n'y en a qu'une seule qui est partie parce qu'elle est bloquée sur le loup. Je vais voir un peu les vêtements. Ils ont pris cher, évidemment. Mais voilà, tout ça qui était tout réparé, c'est bien. Ah oui, attendez, j'ai un saignement. Non. On a plus perdu de la vie avec le saignement qu'autre chose. Non, on va peut-être trouver un loup mort pas loin. Bon, bah, j'avoue, hein, le gilet. Hein, le gilet, ouais. Le gilet aide énormément. Attends, c'est quoi ça? Il y a quelque chose là-bas, du coup, ou pas? Ou rien du tout? Non, je vois rien. Ouais, franchement, c'est tranquille, hein. C'est vraiment tranquille d'avoir le gilet pare-balles. Non, bah, y'a rien, on se casse. C'est vraiment, vraiment cool. Bon, on a perdu encore une flèche, c'est cool. Depuis qu'on est arrivé là, je crois qu'en tout, on a perdu deux flèches. Deux têtes de flèches, du coup. Mais c'est pas trop, trop grave. Ouais, je suis vraiment devenu adepte du gilet pare-balles, hein. J'avoue que je fais un peu moins attention. Ah oui, je me rappelle. Parce que du coup, on pourrait genre monter sur ça. Je vous ai déjà montré comment je chassais la plupart du temps. Hein. Mais c'est vrai que là, avec un gilet pare-balles, bof. On reste devant les trucs. J'aimerais bien que le personnage en fait réagisse mieux qu'on bande l'arc et tout et qu'on tire. Je préférerais que le personnage soit un peu plus réactif pour ça.
Mais bon. C'est comme ça. Ça ne sert à rien, ça. On va se réchauffer un peu et après on va dessiner. Oh, ça c'est bien, ça c'est les livres que je veux. On va voir, on va dessiner d'abord, puis après on va peut-être dormir genre une heure. Qu'on a un peu sprinté et tout ça. Ah non, j'ai... Merde, j'ai plus de... Bon, c'est pas grave, on se balade, on continue. Ah, j'aurais dû manger et boire aussi. J'aurais dû manger et boire. Je me rappelle vaguement, enfin assez bien on va dire, je me rappelle assez bien des endroits où je me mettais, donc ça devrait pas être trop compliqué. Honnêtement je suis assez confiant là pour ce qu'on fait, pour le chemin qu'on prend. Je me rappelle assez bien, donc ça va. Je sais qu'ici, j'étais resté aussi un moment à faire des allers-retours avant d'avancer. Après, je crois qu'il y a des chemins, genre avec des arbres et tout ça, des ponts et tout, donc faut faire attention par où on passe. Je crois que j'avais combattu un ours depuis les hauteurs aussi. Je pense que c'est ce chemin-là, je suis pas trop sûr, on va voir. Je voudrais bien avoir du charbon, là je regrette de pas avoir assez de charbon par contre. On peut prendre ça. Si je... Ouais, voilà, là c'est des sortes de petits labyrinthes en dessous, là. Ok, ça marche. On va continuer. Je voudrais passer cette zone, en fait, avant la tombée de la nuit. Parce que cette zone n'est pas super, super... En fait, comment dire, il y a un gros bout de terre qui est un peu chiant, en fait. Donc je dois le passer. Ah oui, ça je me rappelle plus trop par où on passe et où vont les choses. Des fois c'est un peu des labyrinthes. Genre il y a plusieurs chemins qui vont un peu partout. C'est un peu un problème. Ça c'est beau ça. Beau les trucs qui volent comme ça, magnifique. Ça mène à quel chemin ça? Là y a quoi? Y a... Ah! Loup mort, je suis sûr que c'est... C'est un loup gris. Je suis sûr que c'est un des loups qu'on a combattu. Il doit avoir une de nos flèches. Car ça m'étonnerait qu'il y ait des loups gris comme ça morts.
Alors, où est-ce que ça va, ça? Il y a des lapins. Donc là, on a une grotte. C'est bête, il n'y a pas de feu. Notre poids est pas si mal. Je crois qu'on va descendre. Alors on va pas prendre ça. Je sais pas s'il y a quelque chose après. D'intéressant. Je crois pas. Hein. Ah, je crois que ça retombe. Parce que là, on est en train de remonter. Si je dis pas de bêtises. Je crois que c'est la corde. Si je me rappelle bien. Je crois que... Putain, je voudrais vraiment avoir du charbon pour dessiner la carte. Mais bon, c'est pas grave. Je crois que là, c'est le chemin de la corde. On va regarder vite fait. S'il fait pas trop froid, on peut se permettre de se balader un tout petit peu. C'est la corde, c'est ça. C'est quoi ça? C'est pour faire des flèches ou des arcs? Pour faire des arcs. Bon, ça je m'en fous un peu. J'en ai... On en a déjà un, on a récupéré aussi un morceau de bois. On n'a pas besoin d'avoir des 50 bouts de bois pour faire des arcs ici en fait, dans cette région. C'est pas comme si on allait y rester longtemps. Par contre, faire des flèches, ça c'est autre chose. Ça oui. Allez, on avance. On va essayer de descendre. Alors, je sais pas si je peux... Genre descendre sur les côtés sans me suicider, parce que ça serait un peu bête. Mais... Je sais pas si je peux le faire. Je crois que c'est trop juste. Ça me donne envie de tester, hein, mais je vois pas en dessous de moi. Je sais pas si si ça fait une descente ou si c'est incurvé. Ah, on peut descendre par là, je crois. Je crois qu'on peut couper par là. Bon, je voudrais pas trop me fatiguer, mais je voudrais un peu me presser, en fait. On va devoir juste faire demi-tour pour aller checker le loup, si c'est vraiment un loup qui s'est pris une flèche. Je suis quasiment certain que oui. Et après on continue. Ah putain, on est où là? On n'est pas exactement où je pensais. C'est quoi ça? Ah, c'est un ours. Bon, bah le loup, hein, on verra ça plus tard, hein, c'est pas grave. Parce qu'en fait, faudrait refaire tout ce chemin. Ouais, non, mais c'est pas grave. C'est pas grave, on va continuer là. Je sais pas exactement où je vais, c'est bien.
Je crois que je préférais être sur le... Putain, mais tu vas grimper? Je crois que je préférais être sur le sol, en fait, plutôt que dans les hauteurs. Mais... J'avais dit au début, hey, faut suivre la route. Ouais. Non, on n'est pas vraiment à la suivre. Bon, au moins on esquive pas mal de prédateurs. J'ai juste peur qu'on soit bloqué par des cordes en fait. Il y en avait un deuxième, c'est pas grave. Là, on va aller là. Ah, je suis pas, ouais, non, je suis pas content là. Je suis pas très heureux sur le chemin qu'on prend. J'espère que ça va redescendre sur la route. Je crois qu'on est encore un peu haut. Bon, là, on a des lapins, c'est bon signe. Ah, là peut-être, c'est pas une grotte ça. C'est une grotte. C'est quoi ça? Ah, c'est des bouts de bois. Ok, un truc qui apparaissent. Des bouts de bois avec un lit qui flotte. Ça marche. Bon, on peut s'abriter là si jamais on a besoin. Bon signe. On a des serres. On va pas faire pause là, on n'a pas vraiment besoin de récupérer de la nourriture. Parce que normalement, la plupart du temps, vous savez qu'on trouve un endroit où c'est qu'il y a genre un peu de vie. On chasse, on mange et tout ça. Mais là, j'ai beaucoup de calories sur moi au final. Que j'utilise rarement. Donc ouais. Je vais continuer à avancer parce que je sais où je veux aller. Et je voudrais bien trouver cet endroit. Ah, attendez. Une voiture, ça? Ah oui, on est redescendu, je crois. Ouh, cool, cool, cool. On est bon. On est bon. Ça, c'est le chemin. Ouais. Ok, on est bien, alors. Ça va. Alors, qu'est-ce qu'il y a écrit? Prison area... Oui, donc là, on a refait quasiment le tour, en fait. Ok, cool. Sympa. Bon, on est bon. On a peut-être... Par contre, ouais, on a sûrement même raté des voitures. Quasiment certain de ça. Pont étroit. Comment on passe? Comme ça. Ah, je crois que c'est à gauche. Je crois que c'est là où je voulais aller. Alors, faut faire gaffe qu'il y a souvent des loups gris aussi. Ça, je me rappelle. C'est... Alors, si c'est là, faut regarder avant. Je crois que c'est ça, ouais.
Alors là, je me rappelle quand je m'étais fait courser par des loups gris, je m'étais réfugié dans le bâtiment, qu'on va voir. Et ils avaient gratté à la porte et tout ça. J'étais super impressionné de ça. Parce que vous savez que normalement, c'est des... Les animaux peuvent pas vous suivre. Alors, ils ont gratté, voilà, ils ont juste gratté. Ils n'ont pas suivi non plus. Mais pour dire que d'avoir rajouté ça, c'est cool. Ah, l'abeille à la guerre. Non, putain de merde. Eh ben là, on va avoir la démonstration, j'imagine. Non? Le poste de contrôle. Attends, je vois pas grand-chose, je vais être honnête. Je suis un peu déçu. Alors c'est peut-être parce que je suis rentré tôt, trop tôt. Mais ouais, j'aurais bien voulu vous montrer le fait qu'il gratte à la porte. Ok, très bien. Mais bon, je pense que c'est sûrement aléatoire. Oh, batterie! Batterie, batterie... Je pense qu'on a tout, là. Bon, du coup, la radio, elle doit pas être loin. Elle doit vraiment pas être loin. Il va falloir que je balance des trucs, là. Trop de choses, sûrement. Bon ben, ça c'est bien. C'est très très bien. Alors, fais voir. Là, fais voir. Quoique, j'ai pas besoin. Qu'est-ce que je vais faire? Reste, ça peut aller. Donc 3 câbles, 3 fusibles, 4 fusibles, donc c'est bon. Avec ça, on peut avoir du métal. Ouais. Et on a la batterie. Est-ce que ça a... Non, 5 sur 6. Donc du coup, on l'a pas trouvé, on est d'accord. Ouais, non. Non, 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 on n'a pas dû passer à côté, en fait. Elle doit pas être loin d'ici, j'imagine pas. Moi, c'est ce que je pensais. Hein. Je pensais qu'elle serait dans les parages, en fait. Bon, aussi pour ça. Bon, bah, je suis content. C'est plutôt cool, ça. Alors, ça peut attendre. Je le mets là comme ça c'est voyant, parce que ça on va devoir le prendre avec nous. On prenne quelques calories. J'avais pris seulement 10 massettes sur moi, donc du coup on a du rabais. Avec tout ce qu'on a récupéré, c'est cool. Ok, on va sortir et on va faire un peu le tour vite fait. Okay.
On va voir un peu si la tour elle est à côté ou elle est autre part. Est-ce qu'ils sont toujours là les idiots? Je crois que j'avais testé un truc, ils peuvent pas monter les escaliers. Elle est là. Yes. Très bien. Ouh la vache. Ok, la flèche. Je veux pas faire les animations et rester accroupi parce que j'ai peur que ça fasse des bugs, parce que je sais qu'il y avait des gens qui avaient parlé de ça. Alors, arrêt du câble. Très bien. Il nous faut la batterie et le métal. 5 ferrailles. On en a 2 pour le moment. Wow, wow, wow. Déteste ce jeu. Mais va te faire foutre le jeu. Ah attendez, je crois qu'à gauche il y a un. Je crois qu'il y a un établi. Oh là là, le jeu quoi avec les hitbox. Alors est-ce qu'on a du métal ici? On peut prendre la batterie et changer la batterie. I'm not gonna be able to carry this load for much longer. Putain, qu'est-ce qui se passe avec mon endurance? Je voudrais aller mettre la batterie, comme ça c'est fait. Ok, ils sont encore là. C'est un problème. 2h36, putain, c'est énorme. C'est débile que ça prenne autant de temps. Mais bon, là au moins on a tout d'un coup. Parce que je sais pas à côté, à l'extérieur, si on a du métal et tout. Donc autant en faire ça. J'espère que j'ai assez le temps. Ok, ça va. Est-ce qu'ils sont partis? S'ils sont partis, on va tout changer. Ok. Quoi ce bruit? C'est quoi ça là, ce bruit qu'on entend dire un hélicoptère? Sûrement le vent qui fait bouger quelque chose, je sais pas.
Bon bah c'est bon. Batterie, câble, fusible, pièce métallique. Ouais, non, on est bon. Mission accomplie. Ça je prends, ça je prends. Waouh! L'aurore boréale directement elle apparaît quoi, c'est abusé. Parce qu'on est en pleine nuit, du coup il y a directement l'aurore boréale. Ouais mais là c'est pas vraiment. Pas vraiment ce que je voulais, parce qu'on est fatigué. Non, mais je vais pas risquer. Non, mais je vais pas risquer ça. C'est quoi, c'est ça? Non, mais on est méga fatigué et tout. Je vais pas. Ah, ça me fait un peu chier parce que ça fait ouais ça fait une nuit. Bon, c'est pas grave. Non non, mais on va pas risquer. Je vais pas me balader à moitié fatigué. Ça serait complètement irresponsable. On va d'abord faire un tri de ce que j'ai, on va dormir. Je crois qu'on va peut-être mettre fin par contre à l'épisode. J'ai pas énormément de temps. On est à 40-53 kilos. Très très bien. On est extrêmement lourd. Je crois qu'on va devoir rentrer. Ah oui, c'est normal, oui. Mais je crois qu'on va devoir rentrer. Ah, attendez, je peux dessiner. J'ai récupéré du charbon, non? Oh mon dieu, c'est froid. Ah, parce que regardez où on est. Alors. Non, on est ici, donc du coup il faudrait refaire tout ça, ou alors on va repartir, je crois qu'on va repartir par là et on va remonter, on va retourner vers la prison, je crois qu'on va faire ça. Je sais pas si c'est très loin, je sais pas si ça fait comme ça ou alors s'il faut faire tout un détour comme ça. Je sais pas exactement. Je pense que c'est pas trop loin. Je pense qu'on peut plus ou moins couper en direction comme ça. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire. Mais ouais. Par contre, ouais, on est quand même vachement lourd. Ouais. On est quand même méga lourd. Bah, je vais réfléchir à comment on va se débrouiller là, parce que c'est vrai qu'on est quand même vachement lourd. J'ai pris les. Ouais, j'ai pris les conserves. Ça, on en a besoin, ça, on en a besoin. Nourriture pour chien, on peut la manger. Ça, on en a besoin pour faire des repas, je crois. Peut-être pas la soupe de tomate, mais je vais la garder quand même. Il faudrait bien la ramener en fait. Ouais, on arrive à 52 kilos. Bon là, on est à 40 parce qu'on est fatigué, donc
ça sera mieux en théorie. Mais bon, ouais, ça fait un peu lourd. On sera pas extrêmement mobile, mais on devrait pouvoir se... On devrait pouvoir se débrouiller. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé. À la prochaine. Donc la prochaine fois. Donc c'est un épisode un peu court, je suis désolé. Mais la prochaine fois, on fera... on continuera en fait dans notre lancée et on remontera du coup vers la prison. Et ouais. Donc mission accomplie. On a fait ce qu'on voulait. Donc c'était de réparer l'antenne. Donc maintenant, techniquement, on peut partir de la zone. Je pense pas que je ferai trop encore dans la zone. On a beaucoup de choses en fait à ramener. Donc on verra ça. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé. À la prochaine. Portez-vous bien. Ciao, ciao.